docteur Baumier, Michel, dans mon prénom. J'étais au service de santé, j'étais au Medipôle, et puis maintenant je suis à la retraite. Et je m'occupe un petit peu à la retraite quand il y a des trucs intéressants à faire en aide au service de santé, pour donner un petit coup de main de façon à essayer de faire le maximum pour aider un petit peu la santé et du poids dentaire chez les enfants. Et aujourd'hui, on profite du monde qu'il y a qui se déplace pour ces animations de plage. Il se trouve qu'il y a des gosses qui sont intéressés par venir poser des questions, venir montrer qu'est-ce qui se passe, comment c'est, qu'est-ce qu'on peut manger, pas manger, boire, pas boire. Voilà, moi je suis ouvert à la discussion, à répondre à toutes les questions qu'ils veulent bien me poser. Il y a des mamans qui sont venues me voir pour me poser des questions concernant la grossesse, les enfants, les bébés, les trucs comme ça. Bon, ben voilà, dans la mesure du possible, je réponds. Je suis là pour ça. Ici, on a un fauteuil. Si les gens me demandent une consultation, un examen dentaire ou une chose comme ça, ou buccal, il y a la lumière, il y a du matériel, il y a une trousse d'examen, une trousse pour faire des examens, une trousse jetable d'ailleurs. Cette pièce dans laquelle on est, c'est une pièce de travail. On peut faire des soins ici. C'est un cabinet dentaire itinérant, c'est une roulotte qui a été aménagée. Et il y a tout ce qu'il faut. Il y a un compresseur, on est climatisé, il y a de l'eau, de l'électricité, il y a tout ce qu'il faut. C'est une unité de soins autonome. Et voilà nos instruments de travail, voilà de quoi se laver. On a tout ce qu'il faut ici en instruments chirurgicaux, stériles. Vous voyez, dans les tiroirs, il y a tout ce qu'il faut comme matériel pour pouvoir travailler proprement, dignement, dans les conditions d'hygiène actuelles. On examine, et puis moi je fais mon bilan, je donne les conseils qu'il faut, et à ce moment-là, s'il y a des choses à faire, j'oriente vers les praticiens de la ville selon les assurés sociaux, selon le type d'assurance sociale du patient qui consulte.